Les tribunes de la presse pendant 3 jours nous ont régalé de débats. Ce festival 100% digital nous a permis d'écouter des intervenants passionnants. Jeff Hawkins, vous avez été ambassadeur américain et s'il fallait justement un grand sujet de 2020 qui a passionné notamment les Français, c'est bien l'élection américaine. On va essayer de décoder un peu avec vous les conséquences de cette élection. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi les Français se sont autant passionnés pour cette élection ? Je pense que, et c'est une évidence, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays incontournable. Et si l'Amérique ne se porte pas bien, si la démocratie américaine ne se porte pas bien, ça a des effets un peu partout dans le monde. Et surtout aussi que la France est un de nos plus anciens alliés. C'est un pays qui a contribué à la fondation des États-Unis, n'est-ce pas ? Et donc, avec ces liens très forts, si l'Amérique se trouve divisée ou distrait, ou si la politique américaine n'est pas basée sur les valeurs communes, ça pose problème pour la France et pour les Français. Est-ce que c'était pas aussi parce que c'était une élection hors norme, même pour les Américains ? C'était vraiment une élection atypique. Comment est-ce que vous le voyez ? C'était pas forcément que c'était des élections hors normes. C'était plutôt qu'il y avait un candidat à la présidence qui était un peu hors normes. Finalement, les élections se sont passées un peu comme d'habitude. C'est la campagne qu'a amené Donald Trump et surtout son rejet des résultats après la fin de ces élections qui est absolument hors norme et anormale et atypique. Est-ce que l'unité des États-Unis est menacée encore aujourd'hui ou bien est-ce que ça y est, la page est tournée côté américain ? Disons que les Américains, bon, c'est un grand pays et c'est un pays qui n'est pas forcément toujours obsédé par la politique qu'on a été pendant quelques temps. Il y a quand même une vraie force qui résiste à des assauts. Mais c'est vrai que ça a été une période très clivante aux États-Unis et que ces clivages-là ne vont pas partir avec le départ du président de la Maison-Blanche. Il y a effectivement, politiquement parlant, deux Amériques maintenant très divisées et même divisé non seulement sur les moyens à employer ou les politiques à suivre, mais sur les faits, sur la réalité. Et donc, un exemple, peut-être pas anodine, mais important, anecdotique, c'est aux États-Unis, même le fait de porter un masque, comme nous faisons tous ici en France, Si on est républicain, on porte un masque. Si on est républicain, on ne porte pas. Si on est démocrate, on en porte. Donc, on est divisé à ce point-là. Et c'est pas parce que, comme j'ai dit, c'est pas parce que Donald Trump est parti que ces divisions-là vont disparaître. Mais je crois en l'Amérique. C'est un grand pays. J'espère qu'avec un président qui se veut fédérateur, on aura peut-être un peu moins de divisions dans l'avenir. Vous qui vivez en France, est-ce que des divisions comme celle-ci, politiquement, vous pensez que ce serait possible ? Est-ce que la France pourrait un jour être divisée comme ça ? On a vu quand même, et vous l'avez sûrement suivi, la crise des Gilets jaunes. Oui. Il y a eu des ruptures assez fondamentales en France aussi. Oui, non, c'est une question que je me suis posée et quelques-uns des facteurs qui ont amené à cette division aux États-Unis, notamment les changements économiques et sociaux, la fin d'une économie basée sur l'industrie, etc. Tout ça, ça existe en France. Et le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'il y a un vrai mécontentement chez bon nombre de Français. Mais il y a des différences aussi. Et ça, entre autres, les Gilets jaunes ne sont pas armés comme les mécontents aux États-Unis. Donc, il y a ça qui est bien pour vous. Mais aussi, ce mécontentement-là n'a pas trouvé en France sa voie, comme le mécontentement des Blancs américains ont trouvé en Donald Trump.
Et je trouve que même s'il y a de fortes divisions politiques en France, on reste toujours plus ou moins sur une base de politique et pas... c'est-à-dire qu'il y a des divisions entre droite et gauche, mais sur la politique à suivre et pas simplement sur la réalité et l'interprétation de... Ou l'identité même de oui. ce que c'est que d'être américain. On sent qu'effectivement, il y a peut-être une des grosses différences de vision entre... Je disais tout à l'heure, par exemple, maintenant, on a deux réseaux sociaux, un réseau pour les démocrates et un réseau pour les républicains. Aux États-Unis, on ne se parle plus, il n'y a plus de débat. Et vous restez en France toujours sur un débat politique, même si parfois c'est assez... Est-ce que si cette division venait à durer aux États-Unis, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences ici, dans notre région? Voilà, dernière question, comme on a suivi cela avec attention, quel pourrait être l'impact très concrètement pour les Français de ce qui vient de se passer et ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Je dirais quelque part des populistes, des pseudo-populistes, des autocrates étaient plutôt encouragés par l'élection de Donald Trump. Et le fait que au moins une bonne partie de l'électorat américain est revenu à la raison pourrait calmer un tout petit peu ce mouvement populiste qu'on a vu un peu partout au Brésil et ailleurs. Et donc le fait que non, finalement, un populiste comme Donald Trump n'est pas invincible, qu'il reste minoritaire, même dans un pays où il est très populaire, mais il est minoritaire. Je pense que ça, cet exemple-là, ça pourrait apaiser un tout petit peu les gens d'extrémité de l'échec qui est politique. Merci en tout cas beaucoup pour cette lecture et cette analyse. Les tribunes de la presse, vous pouvez voir et revoir donc tous les éléments de ce festival sur Internet et également ces interviews sur tv7.com.